temps du match. Nous revoilà, chers amis fans de Blood Bowl. Les équipes alignées sont de force égale. Je m'attends à un match disputé. Voilà ton message, Jim. Attendre, c'est pas dans le vocabulaire du Blood Bowl. Au Blood Bowl, on cogne, on s'étripe, on n'attend pas. Les peaux vertes sont des coriaces, et ils frappent dur. Qu'est-ce que tu en penses, Bob? Faut les battre à leur propre jeu. Les cogner plus dur qu'ils vous cognent. Sinon, on peut aussi les priver de ballon. Ce ballon a l'air complètement à plat. Quand est-ce qu'ils vont le remplacer? Je te vois venir gros comme une maison, Bob. Soufflez dans le ballon, hein? Pas question que je te relance là-dessus. J'ai ma vie. Ouais, t'es pas joueur. Allez les gars, tous ensemble! Thank you.
été ton meilleur moment dans ta carrière de joueur, Bob? Le jour où j'ai marqué mon premier touchdown. Juste avant, j'avais arraché la tête d'un type qui m'avait saoulé dans les vestiaires. Pour rire, je lui ai collé le ballon sur la nuque et j'ai envoyé valser le tout dans l'embute adverse. Les arbitres ont dit que c'était parfaitement valable. Donc, touchdown! La FAE a changé les règles le lendemain. Ce joueur préfère se battre entouré. Ce joueur s'est écrasé comme une fiente de snuffling. Merveilleux! Surtout, changez rien! C'est une formation solide. Je demande à voir comment l'adversaire va subtiliser le ballon. Ça ressemble furieusement à un vieux spectacle traditionnel d'Estalie. Ouais, je connais la tauromachie. Hey, la tauromachie. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Il tombe comme des mouches, Jim! Fait la force. Il s'est fait prêt. C'est bien comme ça que disent les jeunes de nos jours, non? Thank you.
c'est que je m'ennuie, là. Qui connaît les règles du Nurkling Massacreur? Ce joueur est en mauvaise posture, aucun doute. Mais que va faire le coach? Comment veux-tu courir ou attraper le ballon si tu passes ton temps par terre à te tordre de douleur? J'aurais peut-être quelque chose de profond à dire quand les joueurs se décideront à jouer pour de bon. Qu'est-ce que t'as enregistré sur ta Wizwobox, à part de vieux matchs de Blood Bowl? Je suis accro à Game of Gnome, la série d'HBOuille. On ne sait jamais quel nabo en bagousé les auteurs vont tuer dans d'atroces souffrances. C'est d'un brutal! Ensuite, j'ai du Dr. Flu, un voyageur du temps infecté par la pourriture de Nurgle qui se promène dans l'histoire et contamine tout le monde. C'est du bon, mais c'est un peu capillotracté parfois.
Tu portes du parfum, Jim ? Non, c'est une fragrance. Rien à voir avec du parfum, Bob. Tu aimes ? Ça s'appelle Charogne numéro 5. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. On ne s'y retrouve plus. Même Finch aurait du mal à démêler ce patras. Il va se faire aider! Cette espèce de... d'assister, va! L'union fait la force, comme on dit. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. C'est de la brutalité à l'état pur. On peut toujours compter sur les orques noirs pour assurer spectacle question violence. Thank you.
attaquant bénéficie de soutien. Ce joueur, pas cet attaquant, il transpire la faiblesse. Ne fait pas bon se retrouver là. Maintenant que le compteur est débloqué, le match peut enfin démarrer. Allez, on y retourne, les gars. C'est reparti pour le massacre. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense. Tu sais quoi, Jim? Il y a des pom-pom girls qui sont mieux payées que certains joueurs. Bon, c'est vrai, ça? Mais pourquoi? Ben, si les fans passent plus de temps à reluquer les cheerleaders que les joueurs de l'équipe, faut pas s'étonner que les sponsors leur signent des contrats en or. Thank you.
Tu as déjà goûté la Croxiade, Bob? Une boisson énergétique concoctée par les Skaven du clan Pestilence? Sans façon, je suis pas une flèche d'accord. Mais je suis pas stupide à ce point. C'est un super match jusque-là. Le rythme s'est un peu ralenti, mais ça va reprendre de plus belle d'une seconde à l'autre. C'est un roc, un cap, que dis-je, une péninsule. Du vent, pourriture démoniaque! Quel est le problème, Bob? Une mouche de Nurgle dans mon café! Y'a plus qu'à se pencher pour ramasser le ballon! Enfin... Yaka, je suis optimiste. Il n'a aucune envie de la laisser tranquille. Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture.
Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Ce joueur se rapproche d'un coéquipier. C'est le moment de vérité. Les orques, plus c'est sombre, plus ça tape dur. Ce joueur est clairement le meilleur choix pour cette action. C'est le moment de vérité! Du corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Il vaudrait mieux qu'il refile le ballon, maintenant que l'ennemi l'a dans le collimateur.
Ce joueur, à cet attaquant, il transpire la faiblesse. Bien vu! Ça aide le porteur du ballon! Ils vont en découdre mano à mano, Bob. Ah, pour ça, il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. On peut toujours compter sur les orques noirs pour faire du dégât dans l'équipe adverse. Dans le tas, Jim, il y a des joueurs qui valent le coup. L'ennui, c'est qu'ils se planquent tous derrière les joueurs médiocres. Le ballon file plus vite qu'un Stotling chiasseux.
et vient au secours de ce joueur. Ça va faire mal. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. C'est de la brutalité à l'état pur. On peut toujours compter sur les orques noirs pour assurer le spectacle question violence. J'ai déjà joué sur ce terrain, Jim. Si je me souviens bien, on avait perdu. Enfin, perdu le ballon, quoi. Pas moyen de le retrouver sous tous ces cadavres. Ah, j'avoue, j'étais de sale humeur. Ça cherche clairement le corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Les sorciers appellent ça l'énergie cinétique. Les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers.
C'est ça! Un bon coup de ballon dans la face! À cette distance, ça fait aussi mal qu'un coup de poing sur les mandibules!
en ligne de mire. Mais va-t-il pouvoir le ramasser? L'union fait la force! L'attaquant bénéficie de soutien! Belle frappe, technique et précise. Parfois ça filme sur la taille ou la force brute. On peut toujours compter sur les orques noirs pour faire du dégât dans l'équipe adverse. L'équipe est en possession du ballon. Et voilà le ballon qui part dans le mauvais sens. De l'autre côté. Non, de l'autre côté. Bon, tant pis. Ça sent la bonne grosse empoignade! Thank you.
ballon par terre est un ballon dangereux. Ce joueur préfère se battre entouré. Il a intérêt à ramasser ce ballon tout de suite. Tu savais ça, Bob? L'astrogranite est un composé de sable, de gravier, de poudre d'os et de crânes d'agents virés. Délicieusement craquant. On fait la force, comme on dit. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus?
Vas-y, mon gars, mords-y l'œil. Ils vont en découdre mano à mano, Bob. Ah, pour ça, il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Que faire contre un adversaire cornu lancé à pleine vitesse? Tu vises entre les deux yeux. Grosse pression sur le porteur du ballon. Il a intérêt à s'activer. Je sens qu'on va se marrer, surtout si le porteur du ballon se fait plaquer. Il va se faire aider! Cette espèce de... d'assister va! Allez les gars! Tous ensemble! Ce joueur se rapproche d'un coéquipier. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Espérons qu'NFL va sourire à ce lancer de dés, Bob. NFL sourit toujours, Jim. Mais souvent, c'est pour se foutre de notre gueule. On libère le porteur de balle, c'est propre. Ce joueur va se prendre un coup au-dessus et en dessous de la ceinture.
et lui colle dessus comme un halfling sur un bon gueuleton. Cette erreur va leur coûter cher. C'est maintenant à l'autre équipe de jouer. Le porteur risque le plaquage. C'est le genre de situation que j'adore. C'est le bien bas du plan de ball. Butez le porteur du ballon avant qu'il ait le temps d'avancer. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Belle réception! Vas-y, cavale! L'attaquant bénéficie de soutien. Bien vu, ça! Tout est dans l'intimidation! C'était une de mes spécialités quand je jouais encore! Thank you.
Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Il n'a pas d'autre choix que de battre en retraite. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça a dû faire mal, ça. Effet domino en action. C'est le moment de vérité! Bon geste! Comme ça, le ballon est moins menacé! Oh, c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. C'est ça! On le force à reculer et puis paf! Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Efficace, ces orques noirs.
tous ensemble. Les fans ont soif de sang et moi aussi. Allez, une dernière petite pichenette. Comme ça doit faire mal. C'est comme peler un oignon. Faut virer les couches externes pour arriver à ce qui est bon. Oh, Bob, regarde! C'est un touchdown! Le match tire à sa fin. Je vois mal l'équipe à la réception réussir un autre touchdown. L'une des deux équipes a un joueur de moins. Un écart infime, mais qui pourrait avoir son importance. Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire. Saviez-vous, les Skaven jouent entre eux dans de vastes cavernes souterraines. Chaque équipe a l'appui d'un clan majeur. Il y a les équipes du clan Skrir, celles du clan Eshin, et ainsi de suite. J'ai rien compris de ce charabia, Jim. Il me parle plus pendant au moins quelques temps.
histoire de meubler. À quoi tu penses, Bob? Je me demande ce que je vais griller pour midi. Cœur d'elfe rôti ou cuisson de halfling à la vapeur? Un adversaire cornu lancé à pleine vitesse. Tu vises entre les deux yeux. Trop facile! Je n'aimerais pas me retrouver face à des points pareils. Allez, on pousse encore! Je ne vois qu'un mot pour décrire cette action, Bob. Pas un mot, Jim. Un son. Bam! L'union fait la force. Oups. Et le joueur est à terre.
misère. J'espère que ce joueur avait rédigé son testament, Bob. Rédigé ? Jim, ces joueurs savent à peine parler. Alors écrire ! T'en as suffisamment interviewé pour le savoir. Ce joueur, à cet attaquant, il transpire la faiblesse. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Le ballon est sous contrôle, mais encore faut-il le ramasser! Il a le ballon en ligne de mire, mais va-t-il pouvoir le ramasser? Certains diraient que c'est du vol. Moi, je m'en cogne. Une passe ratée et un coup de poing dans la figure pour couronner le tout. On dirait que le marchand de sable est passé. Faites attention à lui, c'est un escroc de première. Ces joueurs qui se tournent les pouces. Ah, si ça continue, le syndicat va les blacklister. Ce joueur préfère se battre entouré. Ce joueur va se prendre.
prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Les sorciers appellent ça l'énergie cinétique. Plus on est de fous, plus on rit. Si vous nous regardez sur Cabal Vision, vous attendez sans doute un commentaire plein de mordants. Mais tout ce qui me vient à l'esprit, c'est... Sprotch. Tu vois ces dents, Jim ? D'ici quelques secondes, elles vont saupoudrer le stade façon sucre glace. Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. C'est ça! On le force à reculer et puis paf! C'est un roc, un cap, que dis-je? Une péninsule! Il a pris le ballon. Je suis censé dire quelque chose de marquant ou de spirituel? On appelle ça une passe de la dernière chance. Le coach prie tous ses dieux qu'elle lui sauvera la peau avant le coup de sifflet final. Les orques noirs sont sacrément doués pour enfoncer les lignes adverses. Jusque dans les derniers instants de ce match, ça se tape joyeusement dessus. Oh, j'adore! C'est pour ça que j'adore ce jeu. Thank you.
porteur risque le plaquage. C'est le genre de situation que j'adore. C'est là qu'on va se marrer. Une attaque efficace et une grande victoire.